Coucou les amis, aujourd'hui nous sommes avec Echo en support. Voilà, c'est tout. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est de la merde? J'ai un petit avis dessus. Je pense que c'est bien. C'est vrai? Non. Non, en vrai, c'est de la merde. C'est juste que j'ai besoin de m'entraîner. Mais je sais pas pourquoi je le sens, tu vois. Camille, Malzahar, Darius, Tristana, Thresh, tu vois. Je sens que leur équipe. Je vais passer une bonne game. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'enregistrer. Ça fera une très très bonne vidéo YouTube. Genre, oh là là, Echo support. Très très fort en support, c'est génial. Du coup bah, j'ai commencé, alors j'ai pris des trucs ultra late game, en mode on va perdre la lane. Mais bah les couilles. Ah oui c'est vrai, je joue avec Dark Harvest, j'avais oublié. Mes runes hein, vous les voyez en bas à gauche, n'est-ce pas? Ouais j'ai encore ma rune là, on est d'accord. Close, 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 close. Donc là je joue avec Dark Harvest, du coup mes phases d'agression vont être quand les canons meurent, parce que je vais récupérer l'âme qui va sortir du canon. Je vais économiser ma mana, je vais arrêter de balancer des sorts. Comme ça la prochaine vague canon qui arrive là, je vais pouvoir jeter 3 sorts, c'est magnifique. Camille est tout le temps top, du coup on peut faire les petits fifous. Et qu'est-ce qu'on a là quand il meurt? On a l'essence, bien vu les gars. Et il est mort instant. Presque. Alors là, j'ai repris en fait. Je vais pas faire d'objet avec cet objet-là. Le Fairy Charm. Je ne vais pas faire d'objet. Ça va juste me donner de la régénération de mana. Comme ça, je vais pouvoir spam mes sorts. C'est un objet qui coûte très peu cher. Il coûte 150, si je dis pas de conneries. Non, 125. Il coûte 125 et il se revend 88. Donc en fait, c'est comme si vous achetez des potions de mana en fait là. Vous allez juste les revendre, etc. Pensez comme si vous achetez des potions de mana. Tu t'es perdu, mon petit Thresh. Donc là, en le tuant, on ramasse des âmes en plus. C'est formidable. Là, je vais en ramasser encore. On met des dégâts, c'est gratuit. Très bien. Hop là, hop là, hop là, y'a du monde. Je vais ignacler la Tristana, comme ça elle va pas pouvoir follow, sinon elle peut se faire tuer. Avec une petite salve de hache. Voilà, tout simplement comme ça. Faut pas qu'on meure. Après c'est dommage parce qu'on a quand même l'info que Camille n'est pas là. Camille pas là. Moi j'ai encore mon ultime. Les canons arrivent. On peut s'amuser. Et encore là on les explose en early. Mais normalement vous êtes censé rien faire en early en fait. Moi je suis juste en mode je suis support écho. Je suis support écho et qu'est-ce qui va se passer? Oh merde. Je sais pas si je l'ai niqué son truc là. Parce que là bah... J'ai mon ultime, t'inquiète pas. Merde, j'ai cru que j'avais encore l'aggro de la tour. J'ai un petit peu panique. On va prendre l'âme ici. Hop. Donc encore une fois, j'ai fait une agression parce que j'avais l'âme. Hein. Vous comprenez, hein, vous comprenez. Là, j'avais mon petit bouclier. Je suis un petit peu le fou, là. Bon là j'ai pas d'âme, j'ai pas trop de burst, on va pas faire trop les fous. Ah, mais là c'est de la provocation ma chère. Ouais Thresh arrive. J'ai juste tanké la tour là. Ah oh le découpage. XD. Ça fait charcuter putain. Ils doivent paniquer là. Ah non, prends ça. Oh non, non.
Non, je voulais l'âme. Attends, j'aurais dû donner le kill à Trèche, je pensais pas qu'il allait rater son truc. Moi, je vais partir sur un petit revolver Estec. On enlève le bouclier. Je l'ignore tout de suite. Je fais mon ultime parce que j'étais pas sûr au coup de tour là. Là j'aimerais bien qu'il m'aide. Tu peux faire ça? Bon, d'accord. On va le faire nous-mêmes. Dès qu'on a l'occasion de faire un petit peu de jungle pour prendre des essences, on le fait. Même en support. Merde, 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 il y a Camille. Je vais ramasser son âme. Ah merde! J'étais trop loin, je peux pas ramasser son âme. Fuck. Hop! Là, on avait les essences, on avait un petit burst. C'est pour ça qu'on pouvait. Et je savais qu'il n'avait plus d'ultime. Fléolite, j'ai fait des tests. Je préfère finir par Briance. Genre, t'as limite moins de burst avec Briance, en fait, que de la paix. Et en plus, la paix te permet d'avoir un meilleur shield avec ton W et plus de points de vie avec ton R. Je vous conseille de prendre la brillance en dernier. Je vous en avais pas encore parlé, mais c'est le moment où il y a un moment où il faut split. Ce moment, c'est maintenant. Je préviens que je split. Alors, split ne veut pas dire 1v5. Hein. Je vais pas y aller comme ça, comme un débile. Par contre, s'il y en a un qui s'aventure... Ici. Ok, y'a personne qui s'aventure. OF canon, c'est parti. Hop, hop. Merde, il y a du monde là-bas. Oh oui, j'ai pris le grab. C'est pas un bête de support ce que je suis quand même. Je suis vraiment trop bien comme support. Donc là on va split parce qu'il y en a aucun qui me 1v1. Ok, Darius. Darius me 1v1. Et du coup faut quoi? Faut l'éviter. Et boum. 304 quand même. C'est pas mal. Du coup, quand tu pars split, quand tu veux te faire une session split, tu prends un élixir et tout, je peux te dire, t'es trop bien. Hop. En plus, on avait une vague canon. Du coup, on a eu un petit bonus. Et là, tu pètes la tour. Tu t'en bats les couilles de ton équipe. Littéralement, tu t'en bats les couilles de ton équipe. C'est à chase, tu te casses. T'as ton nul, t'as ton E. Have fun, bro. Et tout ça. Elle va faire son raid. Tu back. Bon, après, si ton équipe meurt en 4v3, c'est pas ton problème. Tu peux rien faire pour eux. Bah, tu pourrais peut-être essayer de les aider en vrai. Si vraiment le split, tu vois que ça fonctionne pas, là, tu vois, j'ai fait juste un test de split. Tu vois la gueule du Hecarim, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ok. On est à 120. Faudrait limite que je fasse un petit peu de jungle pour être à 150. Et là, je vais pouvoir split comme vraiment comme un fou furieux. Bah, ah putain, il y a toujours cette tour. Bon, bah attends, on va casser un peu les tours. On va pas que casser que les tours. Hein. Putain, la flèche de hache m'a fait peur. J'ai essayé d'esquiver quoi. On fait le passif pour aller plus vite. On donne pas le passif de Darius, évidemment. Petite astuce contre Darius. Ne restez pas sur un fight trop long. Même si vous êtes le tank. Si vous vous faites toucher 5 fois par Darius, que ce soit des sorts, des auto-attaques ou quoi que ce soit... Vous allez mettre votre équipe dans la merde parce que il va vous taper, vous le tank, il va avoir son passif qui va s'activer, et il va pouvoir se retourner sur n'importe qui, mettre la stack, faire R et il est mort. Du coup, évitez à tout prix d'avoir 5 stacks, essayez de le kite, faites vos sorts, démerdez-vous, sinon c'est la merde. On va prendre le Void Staff après, j'ai envie du Rabadon. J'ai envie du Rabadon, pourquoi? Parce que je joue avec Absolute Focus, je joue avec Tempête Menaçante, je joue avec... Eyeball Collection, et tout ça, ça me donne combien? Ça me donne 10 d'AP, 30 ici, bref, tu vois, le bon délire quand même, ça donne beaucoup. Boum! Lui, il est mort! Avant de faire quoi que ce soit, on va aller chercher les petites essences. Et même, le meilleur des cas, c'est... Oh, putain! Alors lui, je peux pas le fight encore,
Hop, je prends juste l'essence. XD. On est à 148. Ah, c'est vrai, je suis support. J'avais complètement oublié. Bonjour. Je veux juste l'essence. Merci. Voilà, on est à 150 essence. Alors, c'est sûr que là, vous allez me dire... Ouais, mais t'es pas vraiment un support, là. T'es en train de prendre de tous les CS et tout. Oui, c'est-à-dire qu'on est... On est dans le rôle support. Mais carry. C'est un autre type de support, ok. Eh, ouvrez un petit peu les... hein. Ça va, quoi. Ouais. H toute seule, c'est marrant, ça, H toute seule. Fool me once. Y'a personne ici. Bon, j'ai pas trop envie de faire le fou. Bon. Elle, elle l'a cherché. Elle a montré sa petite gueule de co... Boum. Vous êtes mort. Ah, il y aura des morts ici. XD. Alors, il y en a qui jouent Electrocute, d'autres jouent Dark Harvest. Faites comme vous voulez. En vrai, moi j'aime bien Dark Harvest parce que ça change tout simplement. Et j'aime bien. T'as l'impression que les games sont pas souvent les mêmes, tu vois. Tu joues avec les canons, etc. Bah GG ma petite hache. What the fuck. Ouais, du coup, je suis parti avec des trucs vraiment vénères. Bref, on s'entraîne en stream. Si vous voulez voir un petit peu plus de écho, bah, je suis en stream. Désolé pour le manque de vidéos ces temps-ci. Mais c'est parce que j'avais des trucs à faire. Et je m'entraîne. Là, je monte ce compte niveau 30. On va faire un challenge de malade. Je vais vous en parler un peu plus tard sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao, bye tout le monde.